Il y a un angle mort dans ce texte, pour moi, c'est la question durable et c'est la question verte. La décennie numérique, ça nous emmène à 2030, on a des objectifs climatiques d'ici 2030, et dans ce texte, il n'y a rien qui encadre ce que nous décidons de mettre en œuvre comme infrastructure pour pouvoir remplir ces objectifs. Quand on parle de développement du numérique, il y a une question que ne se pose pas pourtant. Quand on veut faire des critères sociaux, des critères environnementaux, on fait des études d'impact. Ici, pour le numérique, les études d'impact, elles sont facultatives. La question du numérique, c'est une question d'infrastructure. Ces infrastructures, elles entraînent des usages. Toute stratégie cohérente pour une puissance économique comme la nôtre devrait être conditionnée par quels sont les véritables besoins. On décrète dans ce texte qu'il faudrait que 90% des PME soient intensives en numérique. Pourquoi? D'où sortent ces chiffres? Pourquoi on n'a pas une analyse plus sobre, plus résiliente de la conception du numérique? Je veux dire que dans le monde dans lequel nous sommes, l'Union européenne doit être une puissance politique de stratégie et de stabilisation. Aujourd'hui, il y a deux modèles numériques dominants dans le monde, celui de la Chine, on ne veut évidemment pas y ressembler, et celui des GAFAM américains. Et je pense que nous ne devons pas non plus leur ressembler. Quel est l'altermodèle européen en la matière? Depuis le début, on nous dit que le numérique est naturellement l'allié de la transition écologique. Toutes les études qui existent sur l'impact écologique du numérique démontrent précisément le contraire. Et donc, moi, je souhaite que nous fassions preuve de lucidité par rapport à ce domaine. Toute technologie n'est pas bonne forcément en soi. C'est le pouvoir politique qui décide de faire en sorte qu'une innovation technologique est au service du bien commun. Je souhaite que dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, notre institution veille à ce que ce soit le cas pour le numérique. Je vous remercie.